Salut à tous. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de Nolwenn Leroy, la gagnante de la saison numéro 2 de la Star Academy. On apprend via un article dans voici.fr qu'elle est la fille d'un ancien footballeur professionnel, Jean-Luc Lemagueres. Il a évolué au poste de défenseur dans les années 80 et 90. Il a fait ses débuts au Stade Brestois, puis il a joué au RC Paris et puis au Racing Club de Lens. Un parcours qui n'a cependant pas vraiment fait la fierté de la chanteuse, car on le sait malheureusement, la chanteuse est en froid avec son papa depuis maintenant de très nombreuses années. En effet, elle n'a jamais vraiment digéré que son papa a quitté le domicile familial après son divorce alors qu'elle n'avait que 10 ans. Traumatisée, la star n'a jamais vraiment pardonné à son papa. En janvier 2022, ce dernier révélait à Téléstar qu'il n'avait plus de nouvelles de sa fille depuis plus de 15 ans. « J'en souffre tous les jours », avait-il le révélé. « J'ai tout fait pour que ça s'arrange. Je n'ai jamais coupé les ponts, jamais. Quand je lis dans la presse que je l'ai abandonnée quand elle avait 10 ans, je suis vraiment scandalisé. Elle ne veut rien savoir. J'aimerais tellement qu'elle digère ce divorce et que je puisse enfin la serrer dans mes bras. Un rêve que cet ancien joueur, reconverti dans une carrière de commercial au Stade Brestois, espère un jour voir se réaliser. Pas évident quand on connaît le caractère assez trempé de Nolwenn.